Bonjour Louis Schweitzer. Bonjour. Bonjour. Alors, juste vous situer en quelques mots. Vous êtes donc père de trois enfants, récemment devenu grand-père. Toutes nos félicitations. Merci. Par ailleurs, vous êtes professeur d'éthique et de spiritualité à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, dans les Yvelines. Également directeur de l'école pastorale de Massy. Ensemble, nous allons parcourir, survoler, pour être plus précis, l'histoire des Baptistes. Donc, qui dit histoire dit enracinement. Alors, ma première remarque, ma première réaction, c'est de dire, waouh, 400 ans! 400 ans, on ne pensait pas les Baptistes si vieux que cela. Et on pense même que finalement, les Baptistes, c'est une espèce que l'on retrouve aux États-Unis d'Amérique, parquée dans je ne sais quelle réserve. Qu'en est-il précisément? Mais il faut reconnaître, c'est une image qui est souvent donnée par les médias, donc vous avez des excuses, vous auriez eu des excuses de penser ça. En fait, 400 ans, parce que c'est en 1609, exactement à Amsterdam, que la première église baptiste est née. Donc, effectivement, en Hollande, aux Pays-Bas, une église de langue anglaise, ce sont des réfugiés anglais qui ont créé cette église, et avec deux racines, deux origines, on pourrait dire, mais c'est des gros mots un peu, les deux mots, puritain d'un côté et anabaptiste ou mennonite de l'autre côté. Oui, alors, très précisément, expliquez-nous ces gros mots. Voilà. Alors, vous savez que la réforme, au XVIe siècle, la réforme s'est développée en Angleterre et c'est Oui. l'Église officielle qui est devenue l'Église d'Angleterre. Un certain nombre de gens ont voulu aller plus loin dans la réforme, ont voulu une Église plus pure et on les a appelés des puritains. Au départ, ce n'est pas un gros mot, D'où vient c'est le un terme? mouvement spirituel. Et parmi ces puritains, certains voulaient réformer l'Église, mais toujours en gardant son caractère officiel, et d'autres ont préféré créer d'autres Églises séparées de l'État, des Églises indépendantes. Il y a eu des moments de persécution. Quand il y a des persécutions, on allait se réfugier souvent aux Pays-Bas, terre d'accueil, et donc c'est un petit groupe de puritains réfugiés à Amsterdam. Ces gens-là sont accueillis par des anabaptistes. Autre mot difficile. Alors, à l'origine de la réforme, au tout début, il y a trois courants. Il y a les luthériens, Luther et le courant luthérien, la tradition réformée, Oui. et Calvin sera le grand réformateur après, plus tard, une génération plus tard, et puis la tradition anabaptiste. Alors, les anabaptistes, c'était des gens qui, contrairement à tous les autres, souhaitaient que l'Église ne soit pas juste lié à l'État, soit pas la fonction religieuse d'une En société. d'autres termes, la séparation entre le pouvoir temporel ou la sphère temporelle politique et spirituelle, l'Église. Alors, tout à fait ça, mais aussi, je crois qu'on a du mal à imaginer. À l'époque, toute personne qui était membre d'un royaume, membre d'une principauté ou membre d'un canton suisse était ipso facto catholique ou protestante selon le lieu où elle était née. Et donc, toute personne, tout le monde faisait partie de l'Église. Ces gens-là ont dit, mais l'Église, c'est au contraire la communauté des croyants. Donc, c'est une communauté dans laquelle on rentre sur confession de foi. Donc, c'est déjà quelque chose d'inimaginable. Pour nous, c'est banal, inimaginable au XVIe siècle. Dans le contexte précis Tout à fait. du 16e, Et ça va entraîner les persécutions 7e. pour des raisons et spirituelles et politiques. En plus, ces gens-là, les anabaptistes, à Zurich, ça commençait à Zurich, étaient non-violents, radicalement non-violents. Et ces gens, à cause du serment sur la montagne, pour obéir à Jésus-Christ, et ces gens-là vont être persécutés, on pourrait dire œcuméniquement, selon les lieux, par les protestants dans les pays protestants, par les catholiques dans les pays catholiques. Ces gens-là vont aussi se réfugier aux Pays-Bas. Et donc, c'est une communauté d'anabaptistes, on les a appelés ensuite mennonites, à cause de Menno Simon qui les a réorganisés, etc. Et c'est cette communauté qui va accueillir ce groupe de puritains anglais qui arrivent donc à Amsterdam. Et ces puritains-là vont découvrir, au fond, le mode de baptême, puisqu'on rentrait dans l'Église sur confession de foi manifestée par le baptême. D'où l'injure anabaptiste, qui veut dire rebaptiseur. Donc à l'origine, c'est un sobriquet. C'est un sobriquet très, très négatif. Et donc, on va se retrouver là, cette communauté anglaise découvre cette forme de baptême et donc va créer la première église qu'on appellera baptiste, première église de langue anglaise à Amsterdam. Bien, quel cursus, quel Oui. cheminement. Alors, ensuite, ils vont retourner en Angleterre Oui. et y créer donc
une église baptiste, fondé voilà. La première église baptiste. Est-ce qu'ils furent bien accueillis ? Alors, pas vraiment, pas vraiment. Non. John Smith, qui était le premier pasteur de cette communauté, meurt à Amsterdam. Et puis, c'est Thomas Lewis, un proche, qui revient en Angleterre. Alors, ils ne vont pas être très bien accueillis parce qu'il va écrire un livre. Et dans ce livre, il dit des choses qui ne sont pas tout à fait dans l'air du temps. Il dit d'abord que le roi n'a pas de compétences particulières en matière religieuse, ce qui nous paraît un peu évident, mais ce qui, à l'époque, passait mal. Il fallait beaucoup de courage pour oser voilà. le dire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est mort en prison, aussi, il faut dire. Et il a aussi souligné quand même toute la dimension de la liberté religieuse. Liberté religieuse qui, là aussi, nous paraît à nous évidente, à l'acquis, mais justement, à l'époque, pas du tout. Donc voilà, et les églises se sont développées assez vite en Angleterre. Donc la première est dans la banlieue de Londres, en 1613, et puis après, ben, d'autres églises vont se créer. Mais alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi n'ont-ils pas exporté ce modèle mennonite en Angleterre ? Alors, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas non-violents. Ils étaient beaucoup plus marqués par une théologie de type calvinien. Donc, il y a Calvin, il y a une théologie plus traditionnelle. Et en particulier, ils avaient le souci de participer à la vie de la société. On va retrouver d'ailleurs pas mal de baptistes dans les armées de Cromwell. Oui. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils auraient pu être des anabaptistes ou des mennonites oui. anglais, mais là, sur ce point-là, ils étaient quand même assez radicalement différents, et on pourrait dire plus proches des protestants en général. D'accord. On sait très bien que ce qui caractérise les baptistes, c'est l'esprit missionnaire. En tout cas, pour aujourd'hui, oui. ou pour hier, si vous voulez, mais au tout début... peut-on dire que ces baptistes avaient déjà l'esprit missionnaire ? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par missionnaire. Si missionnaire, c'est annoncer l'Évangile, on pourrait dire oui dès le départ, parce que justement, comme on rentre dans l'Église sur confession de foi, il y a le souci justement de faire que les gens deviennent chrétiens. Mais si on entend par missionnaire, ce qu'on entend souvent aujourd'hui, l'expansion un peu et l'annonce d'Évangile dans le monde, alors il faut reconnaître non. Ça va venir plus tard, ça va venir à la fin du XVIIIe siècle, où effectivement, là, on va retrouver une personnalité tout à fait extraordinaire, William Carey, qui est un laïc, et puis qui va, on pourrait dire, avoir cette idée d'annoncer l'Évangile en Inde, qui va finalement créer une société missionnaire baptiste, la première société missionnaire protestante moderne. Et puis là-bas, je dirais, en Inde, il va traduire la Bible, il va ouvrir des écoles, il va être le pionnier. Et à partir de là, la mission va se développer. Et en Amérique, les baptistes vont aussi développer des missions, ce qui fait qu'après, ça va se répandre à peu près sur la Terre tout entière. Alors justement, quand les baptistes arrivèrent-ils en Amérique ? Alors vite, rapidement, vite. Assez rapidement, c'est un certain Roger Williams qui a joué un rôle très important parce qu'il a en même temps créé la première église baptiste, donc en 1636, donc relativement rapidement, la première église baptiste sur le sol américain, et en même temps une société, un État, ce qui va devenir plus tard l'État du Rhode Island et qui là s'appelle la colonie là, de Providence. Mmh. Et la particularité, c'est que... c'est le premier État dans lequel il y a une totale liberté de conscience. C'est-à-dire qu'il était possible d'être non seulement catholique ou protestant de tout type, mais mahométan, comme on disait à l'époque, juif, etc. L'idée, c'était un État dans lequel la liberté de conscience existe pour que, justement, la foi puisse être libre et pas quelque chose d'automatique. D'accord. Bien. Et en France ? Alors, peut-être encore quelques mots sur l'Amérique, peut-être, parce que ça, c'est le point de départ. Après, ça va se développer au fil du temps. La séparation avec l'Angleterre va aussi créer une liberté plus grande pour des églises qui ne sont pas d'églises anglicanes. Puis, il y aura, vous savez, la conquête de l'Ouest, où on imagine facilement les baptistes qui aussi se développent. Et ça arrive à la première église protestante aux États-Unis. Donc, les baptistes deviennent la première dénomination. Et effectivement, là, un rôle non négligeable avec des personnalités qu'on connaît. Alors, il va y avoir Martin Luther King. Oui, d'autres exemples, justement. Il va y avoir Martin Luther King, il va y avoir parmi les personnalités politiques relativement récentes, il y a Jimmy Carter, il y a Clinton, il y a Gore, qui était vice-président et puis qui était prix Nobel. Voilà, tout ça, de la paix. De la paix. Al Gore, oui. Et oui. Quelques personnes, donc, qui ont un rayonnement relativement important et qui, paradoxalement, d'ailleurs, sont des gens connus chez nous pour être des libéraux,
Alors que souvent, l'image qu'on a des baptistes en général en Amérique n'est pas nécessairement dans cet ordre, dans cet ordre-là. D'accord. Donc, on arrive en France maintenant. Voilà. Alors, c'est plus récent chez nous, oui. Mais ça fait quand même 200 ans. Donc, c'est quand même pas tout récent. C'est au début du 19e siècle, dans le nord de la France. Dans le nord. Hein, autour d'un village, de Nomain. En fait, c'est l'époque où, en Suisse, il y a le grand réveil de Genève. Mm-hmm. Et donc, ça va marquer, on pourrait dire, l'Europe francophone. Et là, il y a une petite communauté, puis après, des petites communautés qui vont exister dans le nord de la France. Dans un premier temps, ça va être très, très discret. Ça va se développer, mais relativement petitement. Puis ensuite, il va y avoir des Américains et des Anglais qui vont venir soutenir. Et puis, ça va petit à petit se développer. Alors, quelques grandes figures de l'époque. Alors, il y a eu un certain nombre d'abord il faut commencer peut-être par des personnages un peu clés qui étaient des missionnaires. Il y a Jean-Casimir Rostand, qui était un personnage un peu haut en couleur. C'était un Français devenu baptiste en Amérique, qui avait même été, je crois, ambassadeur à la Havane, ou quelque chose d'un peu original quand même pour un futur pionnier, qui va arriver en France vers 1830 et il va mourir très vite, malheureusement, d'une épidémie de choléra, je crois, à Paris. Et puis, ensuite, il va y avoir d'autres personnes, Erastus Villard, qui va créer un petit institut biblique à Douai. Et ouais. C'est dans cet institut biblique que va être formée, au fond, l'équipe des pionniers qui vont développer, au fond, le baptisme, avec Jean-Baptiste Crétin, qui est un peu le personnage emblématique de ceux qui vont donner vraiment une grande dynamique. Et qui vont colporter l'évangile, c'est le cas de le dire. Exactement. Donc ça, c'est le Nord, ça va descendre sur Paris. Puis après, ça va se développer et il y aura deux régions alors avec une évangélisation, on pourrait dire, d'origine tout à fait autre. Il va y avoir la Bretagne, on ne s'y attend pas forcément, mais avec des missionnaires gallois. Et culture celtique aidant, on va avoir des églises bretonnes, bretonnantes, avec des cultes en breton, etc. Et puis en Alsace, où là, c'est Onken qui est un grand évangéliste allemand qui va développer tout le baptisme allemand, tout le baptisme des pays nordiques et puis des pays de l'Est jusque du côté de la Russie. Et là, Onken va aussi développer en Alsace tout un courant baptiste. Donc tout cela, c'est milieu 19e ? Oui, tout à fait. Et puis, ça va se développer vers le sud de la France, en descendant principalement vers la vallée du Rhône, la Suisse, la vallée du Rhône et le Sud. Donc en fait, on peut dire qu'en France, le baptisme se présente comme une réalité unie. Et oui, ça serait un peu optimiste, malheureusement. Trop facile. Non, ça serait un peu optimiste parce que très vite, il va y avoir deux sensibilités différentes, liées probablement au lieu d'implantation. Un peu aux personnes, puis au lieu d'implantation. Il va y avoir un baptiste du Nord et parisien. C'est un baptisme qui existe sur des territoires, on pourrait dire, historiquement catholiques. Oui. Donc ce baptisme... Donc hostile pour l'époque. Oui, on pourrait dire. Au baptisme. On pourrait dire. Oui. Mais ça veut dire aussi qu'il il ne cherche pas à se démarquer des autres protestants, et au contraire, il se sent plutôt solidaire des autres protestants. Et puis, il y a le baptisme du Sud, qui se développe en territoire protestant. Et donc là, le travail va être comment se démarquer des autres protestants. Et donc, ça va créer deux cultures qui vont avoir quelques difficultés. Alors, comme elles ne sont pas ensemble géographiquement, ça ne pose pas de problème majeur dans un premier temps, ça crée des tensions de temps en temps, et on va avoir, au début du XXe siècle, deux grandes personnalités qui vont incarner un peu ces deux cultures. Lesquelles ? Alors, Philémon Vincent pour le Nord, qui est pasteur à Paris. Les deux personnages, je vous dis tout de suite l'autre, et Ruben Sayens. Deux personnages qui sont tous les deux passés par l'église baptiste de la rue de Lille. L'un, Philémon Vincent, va créer l'avenue du Maine, grande église baptiste à Paris. L'autre, Ruben Sayens, va créer l'église Tabernacle, autre grande église baptiste. Et ces deux personnalités ne se ressemblent pas. Elles ont, je dirais, une envergure semblable, mais des orientations différentes, et ce qui aurait pu être... Des orientations théologiques. Oui, oui, au moins, et psychologique, et de sensibilité. Philémon Vincent,
c'est quelqu'un qui est un théologien, qui est très, les deux sont théologiens d'ailleurs, mais qui est très lié aux autres théologiens protestants, qui va collaborer avec des réformés, des luthériens, y compris dans la rédaction d'une encyclopédie. C'est un théologien très lié aux théologiens protestants de l'époque. Et puis, il a un grand souci de une dynamique sociale. Donc, non seulement les œuvres sociales, mais même une responsabilité sociale, quasiment politique, je dirais, dans la société. Donc, il y a un journal qui va paraître, La Solidarité Sociale, un autre, La Pioche et la Truelle, enfin, beaucoup de choses de ce côté-là. Ruben Sayens est plus un évangéliste. Forte personnalité, souci d'évangéliser, et alors, peut-être une relation plus difficile avec certains autres protestants, quoique lui-même, pas encore trop, mais donc deux personnalités assez fortes, des liens internationaux différents, et tout ça, ça va aboutir, malheureusement, dans les premières années après la Deuxième Guerre mondiale, à la séparation des deux mouvements, Nord-Paris et puis mouvement du Sud. Donc, on a bien compris qu'en France, le baptisme n'est pas une réalité unie, oui. Qu'il y a deux courants baptistes prépondérants, et même trois, puisque chaque région, hein, puisque la région façonne également ces églises-là. Est-ce que vous pourriez... est-ce que selon vous, c'est cette évolution des faits, des choses, est quelque chose de réjouissant ou pas ? Non. Je crois que ce qui est réjouissant, c'est que des sensibilités différentes puissent exister. Mm-hmm. Que ça aboutisse à la rupture, c'est ce qui n'est pas réjouissant du tout. Ça a même été douloureux, puisque petit à petit vont se créer deux associations d'églises différentes. D'un côté, la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, qui vient du Nord et de Paris à l'origine, puis qui va se répandre partout. Et puis l'Association des Églises évangéliques baptistes de langue française, qui est les anciennes églises du Sud, qui vont aussi se développer. Et là, on va avoir deux sensibilités très différentes. L'une, la Fédération baptiste, liée au baptisme mondial, à l'Alliance baptiste mondiale, à la Fédération baptiste européenne, liée au protestantisme, membre depuis 1916 de la Fédération protestante de France, engagée dans des dimensions sociales fortes, avec en particulier un gros mouvement, l'Association baptiste pour l'entraide et la jeunesse, qui développe beaucoup d'œuvres sociales, etc. Aussi avec un souci œcuménique, c'est-à-dire avec un dialogue avec le catholicisme, avec une volonté d'être à l'intérieur du concert chrétien en France. De l'autre côté, l'Association baptiste, plus confessionnelle, plus strictement confessionnelle, on pourrait dire, plus réservée vis-à-vis des collaborations avec d'autres unions d'Église, et peut-être plus strictement centrée sur la dimension d'évangélisation et dimension baptiste, ecclésiale, pas tellement le social, ou peu développé en tout cas. Avec une figure de proue dans... Oui, avec le pasteur Dubarry, par exemple, qui va être un grand personnage à Nîmes et dans le Sud, brillant personnage, qui va jouer un rôle non négligeable. Mais autour de ça, il va y avoir encore d'autres petites églises indépendantes qui vont se créer, souvent avec des missionnaires américains, encore plus repliées sur elles-mêmes, si j'ose dire, ou en tout cas très strictement entre elles. Alors, heureusement, je dirais, les choses vont plutôt en s'améliorant. Actuellement, aujourd'hui, de nos jours, oui. Pour des tas de raisons, mais je pense que les clivages qui existaient à l'époque, qui ont déclenché la séparation, qui étaient aussi liés au niveau mondial à tout un débat mondial autour du fondamentalisme. Je veux dire, il n'y a pas qu'en France que ça a joué. Ces clivages ont tendance à s'estomper. Les pasteurs sont aujourd'hui souvent formés au même endroit. Dans les mêmes institutions. À la faculté de Vaux-sur-Seine, à l'Institut biblique de Nogent, toujours dans les mêmes un peu, institutions. Donc ça crée des liens, je dirais. Au point qu'on a même créé récemment une société d'histoire et de documentation baptiste de France, dans laquelle tous ces organismes sont représentés, y compris les indépendants. C'est dire que revenir sur la mémoire commune collective ensemble, c'est le meilleur moyen, je crois, d'évoluer. De guérir du passé, si. Exactement. Donc être libéré, oui. Alors, le baptisme a-t-il été touché par le mouvement charismatique ? Alors, très fortement, oui. Et de manière unique parmi les églises protestantes en France. D'une part,
au moment où le pentecôtisme arrive en France, donc au début du XXe siècle, un certain nombre d'églises baptistes vont être touchées par ce pentecôtisme, vont devenir pentecôtisantes, tout en dans le nord de la France, tout en souhaitant rester baptistes. Donc, à l'époque où personne ne parle encore de charismatique, c'est bien, bien avant, hein, le baptisme a déjà un certain nombre d'églises marquées par ce pentecôtisme. Mmh. C'est clair que quand la vague charismatique, dans les années 60, 70 surtout, puis 80, va arriver, elle va trouver dans les églises baptistes un terrain tout à fait favorable. Donc, des églises baptistes, des vieilles églises baptistes traditionnelles vont devenir charismatiques, et petit à petit, d'autres églises charismatiques créées de manière indépendante vont intégrer la Fédération baptiste. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec aujourd'hui, mais depuis un petit moment, une fédération d'églises pour la Fédération baptiste qui est en gros, il faut voir les calculs, mais en gros moitié-moitié, avec la moitié des églises qui sont charismatiques, la moitié des églises qui sont plus traditionnelles. Et il faut dire un certain nombre d'églises qui seraient, je dirais, probablement un peu entre les deux, c'est-à-dire. C'est une figure unique dans les unions d'églises. Oui, hein, c'est la seule. Pour la France, pour l'Europe. Pour la France, en tout cas. Alors, c'est rare parmi les baptistes, j'ai l'impression, en Europe. Oui. Mais parmi les églises protestantes en France, c'est un cas unique. Ailleurs, vous avez soit des églises, des unions d'églises vraiment charismatiques, soit des unions d'églises pas du tout charismatiques, soit, comme l'Église réformée ou quelques autres, des unions d'églises non charismatiques, à l'intérieur desquelles il y a quelques exceptions charismatiques. Mmh. Donc, et pensez-vous que le baptisme français peut faire face à ce défi, est équipé pour que la coexistence, finalement, pour que le vivre ensemble se fasse en bonne intelligence, dans une complémentarité des spécificités des uns et des autres? Alors, je crois que c'est une chance, c'est une difficulté, mais en même temps, c'est une difficulté que la Fédération baptiste vit depuis combien ? 80 ans peut-être, donc c'est quand même pas quelque chose de tout neuf, et manifestement, elle a survécu. Donc, je veux dire, elle a bien trouvé, quand il y a eu des crises, quand il y a eu des moments difficiles, elle a trouvé des ressources pour retrouver l'unité, retrouver l'équilibre. Moi, je dirais que c'est quelque chose de fondamental parce que c'est aussi ce qui permet, non seulement, je dirais, pour reprendre votre terme, la cohabitation, ce qui est déjà pas mal, hein, mais ce que je souhaiterais, ce n'est pas la cohabitation, c'est quand même beaucoup plus une interaction entre les deux courants. Et ça, je dirais, c'est encore peut-être, dans l'avenir, c'est une espérance plus qu'une réalité. Mais j'ai quand même l'impression que la Fédération baptiste, il y a d'une part les ressources d'une confession. Nous ne connaissons pas bien notre histoire en général. Et je dirais, nous avons une histoire qui est relativement longue, on l'a vu, avec beaucoup de choses qui sont passées, qui peuvent nous apprendre aussi à ne pas faire peut-être les bêtises que nos pères dans le passé ont pu faire. Et donc je crois qu'il y a de quoi, pour moi, la Fédération baptiste, là, sur ce plan-là, est un peu un enjeu pour l'avenir, enfin, un symbole pour l'avenir, l'enjeu étant, je crois, la rencontre de ces courants charismatiques et de ces courants, alors, plus traditionnels, souvent plus soucieux de formation théologique, soucieux de rigueur de pensée, et un courant baptiste plus soucieux, un courant charismatique plus soucieux de dynamisme, d'évangélisation et de vie chrétienne. Et je dirais que les deux me paraissent parfaitement complémentaires. Donc voilà, j'espère que là, il y a peut-être quelque chose de prophétique pour la Fédération baptiste. Oui, et dans votre rôle de professeur et de directeur d'école pastorale, dans une certaine mesure, vous avez un rôle de premier plan pour pouvoir alimenter la réflexion, finalement, et promouvoir la rencontre des uns et des autres. On peut espérer, en tout cas. Bien, c'est sur, non pas ce vœu pieux, mais sur cette parole prophétique, si j'ose dire, nous terminerons cet entretien. On vous remercie pour tous ces éclairages d'ordre historique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et on vous souhaite une bonne continuation.